Derby breton de la plus haute importance entre Rennes 6e et Nantes 8e. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux formations. Le vainqueur peut accéder aux toutes premières places du championnat. Rennes évolue sans Mecher et Ntep blessé. Côté Nantais, c'est Lenjani qui est absent. Des Nantais qui sortent d'une défaite 3-2 après prolongation en quart de finale de la Coupe de France sur le terrain de Sochaux qui est relégable en Ligue 2. Un coup d'arrêt sur la belle série rennaise de 16 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Cette série est terminée. Et des Nantais qui craquent dès la première minute du match. But d'Ousmane Dembélé. L'ouverture du score pour la jeune pépite rennaise. 7e but de la saison pour Dembélé. Le match débute parfaitement pour les hommes de Roland Courbis qui poursuivent de la meilleure des manières. 2-0 au quart d'heure de jeu grâce à Kamil Grosicki. 8e but de la saison pour l'international polonais. Début de match très réussi de la part des Rennais. Les Nantais sont dans leur moitié de terrain et n'en sortent pas. 23e minute, coup franc d'Ousmane Dembélé. Personne ne réussit à toucher le ballon, pas même Cheikh Mbeng, l'international sénégalais. Et le but est bien attribué à Dembélé pour un doublé. 8e but de la saison pour Ousmane Dembélé. Rémy Rioux, le gardien et capitaine du FC Nantes, est battu. Les Nantais qui essayent de se réveiller, de mettre plus d'impact. Mais en montant, ils s'exposent au contre. Ballon récupéré par Ousmane Dembélé avec un crochet. Et la finition pied droit impeccable. Le triplé pour Dembélé juste avant le retour au vestiaire. 45e minute. 9e but de la saison pour Dembélé. Il devient le meilleur buteur du Stade Rennais. 4-0, c'est le score à la mi-temps. Dembélé qui au passage a réussi 8 buts et 2 passes décisives sur les 10 dernières rencontres de Ligue 1. C'est la fête au Roazhon Park. La série de 13 matchs sans défaite en Ligue 1 pour Nantes va se terminer. Des Nantais qui en seconde période montrent tout de même un meilleur visage et réussissent à réduire l'écart. Adrian récupère ce ballon en retrait. Rennes ne mène plus que 4 buts à 1 à l'heure de jeu. 3e but de la saison pour Adrian. Mais c'est trop tard. Rennes qui gagne ce match. Seule ombre au tableau pour les Rennais. Cette faute de Giovanni Sio, il avait déjà pris un premier carton jaune à la 34e minute. Il en prend un deuxième à la 66e. Exclusion de l'international ivoirien. Rennes termine le match à 10 contre 11. Mais ça n'a pas beaucoup de conséquences. L'écart était déjà fait. Dernière action du match intéressante pour le FC Nantes. Mais les Canaries ne reviennent pas à 4-2 à cause du poteau. Rennes remporte ce derby sur le score de 4-1 face à Nantes.